Bon dimanche, c'est Chantal Roberge. Donc, sur YouTube, si tu veux voir mon Facebook, j'ai mis le nom de fille Chantal Dupuis. Je voulais parler de l'exactitude du parler puis de l'exactitude de communication, qu'il soit par écrit, OK? Entre humains, parce que on en voit un peu partout, hein, des comme on dit, des banderoles, là, il y a des gens qui font ça à la main, ou on peut les acheter aussi, on dit des pensées positives, hein? Mais il y en a une qui est très importante, c'est la capacité de communiquer, OK? Qui est quasiment, on dit, le problème, la problématique quasiment de toute l'humanité, et puis ça donne aussi un sujet de dire, bon, ben aujourd'hui, je vais ouvrir des livres, parce qu'il existe des livres sur la façon de communiquer, OK? Pour les gens qui ont... Non, je ne l'ai pas mis à l'envers parce que je suis distraite. Là, c'est parce que c'est plus doux. Ici, c'est plus doux, le velours. Moi, j'aime mieux avoir le velours sur ma peau que d'avoir la couture sur ma peau. Je n'ai pas été distraite. C'est comme ça que j'ai voulu. OK? Puis j'ai mis celui-là par-dessus parce qu'en même temps, ce matin, je pensais au dauphin. Puis je pensais aux épaulards parce que je suis une personne qui est... je suis infirmière. Et puis, je suis aussi une écologiste, puis je suis aussi, on dit, un environnementaliste. J'aime étudier ça, puis je fais attention aussi. Puis je l'applique du mieux que je peux. Puis, il n'y a pas de reconnaissance pour l'instant à faire ça. OK? Donc, je voulais parler aussi, hier, j'ai parlé, je vais approcher comme ça parce que je sais qu'il y en a que tu vas plus voir comme ça va être plus facile parce que c'est doux, doux du côté du velours comme ça. J'ai pas mis à l'envers, c'est plus doux comme ça, OK? Puis de ce côté-là aussi parce que de toute façon, là, ça fait très joli le blanc puis le gris comme ça fait un beau épaulard qui a un immense, immense poisson d'océan, OK? Puis en dessous, c'est comme, on dirait, c'est comme un petit dauphin qu'on a mis comme un plus gros, comme ça, il est beaucoup plus gros quand on regarde la comparaison. Donc, hier, je parlais du jugement, OK? Fait que c'est sûr que si t'arrives puis tu dis tes yeux pleins d'eau, ben non, c'est juste parce que je viens d'appliquer mon fond de teint, OK? Ou l'été, je viens de mettre de la crème solaire puis j'ai les yeux pleins d'eau, j'ai pas pleuré. Peut-être aussi j'ai pleuré parce que ça a fait un peu mal, fait qu'on les suit comme ça, fait qu'il faut, c'est là la communication, il faut poser la question, OK? Donc, déjà, là, des premières approches de poser la question, c'est très important parce que si tu arrives à la garderie, puis là, tu vois ton éducatrice qui a les yeux pleins d'eau, ça peut faire beaucoup de peine aux petits dauphins puis aux épaulards aussi parce que l'attachement, oui, parce que c'est beaucoup d'heures qu'on passe avec sa gardienne ou son professeur. C'est plus d'heures qu'avec papa puis maman qu'on passe à la garderie. Surtout, certaines horaires, ça se peut que certaines horaires, ça, je sors ça parce que c'est un moyen de pense à parler, OK? Ou des fois, pas encore capable de parler, je suis tout petit, mais quand je veux parler, hein, Chantal, elle te l'a montré, là, tu prends ton hochet ou tu veux parler, il veut dire quelque chose, mais il sait pas parler, mais il faut que tu prennes le temps de t'arrêter, puis bon, OK, ben là, il va falloir jouer un petit peu à devinette parce que le beau lala, il n'y a pas de dents, puis il sait pas parler encore, mais oh, qui essaie de faire des belles gentillesses, puis il comprend pas, mais il faut lui offrir de l'attention, du temps, des beaux yeux, puis une bouche qui est propre aussi parce qu'il sent. OK, son odorat est très développé. Fait que c'est sûr que c'est si t'as mauvaise haleine. Excuse-moi, mon oncle, je veux pas être méchante, là, mais approche-toi pas de mon bébé, OK? Tu sens pas bon, t'es mal propre, j'ai peur qu'il vomisse son lait jusqu'à ça, oui. J'ai peur qu'il vomisse parce que c'est pas, t'as pas, OK? Je sais que tu trouvais beau le petit bébé, là, mais va-t'en, OK? Hey, t'es bien bête avec les personnes âgées, toi, là, on m'a appelé la police, OK? Fait que ça existe, c'est plein de ça au Québec, OK? Puis quand on s'acharne sur les bonnes personnes, OK, qui vont dire, qui sont là pour te soigner, puis qui sont là pour t'éduquer, puis t'as l'autre qui arrive, qui connaît pas grand-chose, OK, fais un ménage, fais un vrai ménage, OK, il y en a qu'on va passer dans le monde animal, tu les emmènes en campagne, dans un camp de concentration, rentre là, OK, rentre là,
Puis tu barres la porte, puis tu vas être traité comme un animal. Je te sortirai quand tu auras fait ton étape 1, quand tu auras compris quelque chose, mais au moins protège les bonnes personnes, OK? Fait que ça, pour la communication, le jugement, pose la question. J'ai les yeux pleins d'eau parce que j'ai mis de la crème solaire, j'ai pas de peine, OK? J'en ai pas de peine. Puis après ça, prends le temps de t'arrêter, OK? Pour ceux qui les touti bébés, prends le temps de t'arrêter, c'est bien important. Puis la reconnaissance aussi, OK? Des fois, il y a des personnes qu'il faut leur faire réaliser. Pas parce qu'ils sont méchants ou méchantes, c'est qu'ils réalisent pas ce qu'on fait pour eux, tout simplement, OK? Il faut que tu leur dis, ça m'a coûté 5 000 $ t'accueillir chez moi, puis t'offrir de l'emploi, ça m'a coûté 5 000 $, OK? Parce que j'étais vraiment sauver une famille. Ça m'a coûté 5 000 $, puis j'y ai mis beaucoup de temps, OK? Beaucoup d'énergie. Puis il y a beaucoup de pertes. Faut que tu expliques doucement. Des fois, les gens ne réalisent pas la valeur ou l'ont pas vu ou on leur a dit autre chose.